Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien les amis. J'espère que la santé est là pour vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de collection, développement de ma petite collection de jeux hein, qui commence à avoir une gueule bien méchante, qui commence vraiment à ressembler à quelque chose. Hein. Plus les mois passent et plus je la développe. Hein. Là en l'occurrence, je parle de collection de jeux SNK, Neo Geo AES. Hein. Vous avez l'habitude hein, pour ceux qui me suivent de me voir vous montrer au fur et à mesure des mois tout ce que je peux en fait prendre, récupérer et développer en fait mon plaisir et ma passion pour ce constructeur et ces magnifiques jeux qui ont bercé notre enfance pour beaucoup d'entre nous. Et donc bah, les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu hein, que j'ai réceptionné donc bah, vraiment hein, je l'ai réceptionné il y a quelques heures à peine. Donc je parle pas trop fort les amis parce qu'il y a du monde qui dort à la maison, hein. C'est pas très grand donc j'ai pas envie de réveiller tout le monde. J'espère que vous allez m'entendre quand même bien. Il y a un beau carton bien emballé, hein. Je remercie le vendeur. Et en tout cas, ouais, il se reconnaîtra dans la vidéo parce que le jeu il le reconnaîtra. Donc ben, on va s'ouvrir hein, tout ça ensemble. On va prendre un tout petit couteau en l'occurrence, hein, histoire de pas abîmer le carton. Tranquille, hein, tranquille les amis. Donc je vais essayer d'ouvrir ça vraiment de manière à pas abîmer le carton. Hein. Ok. On va essayer de faire une petite coupe propre. Regarde. Attendez. Ah, je pense que le jeu est pas trop abîmé en fait. Ça va le faire. Ah, je vais essayer de bien le. Attendez. Je vais essayer de bien vous l'ouvrir quand même. Bon, attendez, je vais faire une petite coupe. Je pense que ça va aller. Ok. On se retrouve juste après. Mais le jeu est pas abîmé. Ok. Bon, bien sûr, au travers ce jeu d'acteur pitoyable, hein, vous aurez bien compris que. J'avais vidé le contenu du carton avant de faire cette petite mise en scène pitoyable. Mais non, il n'y avait rien dedans, les amis. Il n'y avait rien dedans, j'avais déjà vidé. Le jeu est arrivé, bien protégé. Et du coup, il est là. Qu'est-ce que c'est, les amis? De quel jeu il peut s'agir? J'ai parlé des jeux de ce développeur. Il n'y a pas longtemps, ils avaient sorti un peu avant ce titre et que j'apprécie énormément. Je vous aurais même fait un test sur la chaîne. Ça va peut-être vous aiguiller déjà sur de quel titre il pourrait s'agir hein, parce qu'ils n'en ont pas fait des tonnes sur Neo, mais ils en ont fait des très bons. En tout cas, moi pour ma part, j'adore, j'aime. Et donc, les amis, aujourd'hui, il s'agit de. Voltage Gokaiser et donc de nos amis, ils sont où? Ouais, vous arriverez peut-être à le voir là, de nos amis de chez Technos. Après, avec la lampe, c'est toujours compliqué de vous montrer ça, les amis. Bon. Donc, voilà le titre. Donc, comme tous mes autres titres, les amis, hein, bien sûr, c'est que des originaux, bien sûr. Et là, j'ai fait totale confiance au vendeur qui m'a donc vendu ce titre à vraiment un super prix parce que c'est un jeu qui coûte aujourd'hui très cher, les amis. Et franchement, je l'ai eu à très bon prix, je l'en remercie. Et il m'a l'air d'être vraiment d'une qualité. Ouais, il est vraiment propre, quoi. Il est vraiment très propre, hein. Rien à dire. En tout cas, niveau boîte, insert, c'est comme sur les photos, il n'y a rien à dire. Donc, un jeu qui est basé sur un trip un peu super-héroïque, on va dire. Hein. Dans un style toujours animé, hein. En l'occurrence. D'ailleurs, ils ont mis son nom, c'est Masami Obari.
qui est connu hein, pour avoir réalisé certains longs-métrages animés hein, au Japon. Notamment, je pense que c'est lui qui est à l'origine du chara-design des films Fatal Fury. Face me. Terry. Que je suis pas vraiment fan hein, parce que pour moi c'est pas ça représente pas l'essence des jeux ces films-là. Je suis pas fan de ces films d'animation. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça hein. Pour moi un Ninja Scroll dans le domaine de la japanime de tout ce qui est animation japonaise hein, les films d'animation genre Ninja Scroll pour moi sont des samouraïs shodan mais en puissance qui représentent bien mieux l'esprit d'un samouraï shodan 2 par exemple. どうしてもお主と立ち会いたくてな。Des films avec vraiment le logo Fatal Fury dessus, fait par ce chara design là, parce que je trouve que je retrouve pas ce que j'aime dans les jeux en fait, dans ces films d'animation pour le coup. Alors que dans un Ninja Scroll, j'ai l'impression que c'est un hommage, ou même les Kenshin le Vagabond, j'ai l'impression que c'est des hommages en fait à quelque part au jeu SNK quoi. Donc, vraiment propre de chez propre. La notice. Je vais vous la montrer. Et la cartouche, c'est nickel. Une magnifique boîte en dur avec le logo en fond SNK. Donc la cartouche, très propre. Voilà, j'ai l'impression qu'elle a déjà été. Elle a été contrôlée la cartouche. Elle a été ouverte. J'ai l'impression qu'elle a été contrôlée cette cartouche, elle a été ouverte avant moi, pour voir si le jeu était bien, était nickel. Mais bon, je confirmerai ça de toute façon. Et donc voilà, c'est vraiment propre, hein, c'est vraiment nickel, c'est vraiment en très très bon état. Near Mint, je pense, pour le matos. Donc le petit livret. On retrouve les persos dès la première page. Donc l'histoire, les mecs. Si vous ne maîtrisez pas le japonais, je pense que, comme moi, vous ne comprendrez pas grand-chose. Après, les dessins sont beaux, hein. C'est un bon chara design, hein. C'est quelqu'un qui touche, il n'y a rien à dire. C'est d'ailleurs un des éléments mis en avant par le jeu. Donc là, on voit le héros principal. Je sais pas si vous verrez bien, les amis, mais bon. J'espère que vous verrez pas trop mal. Hop, censé être une petite vidéo pas trop longue, hein. En tout cas j'espère qu'elle sera pas trop longue pour vous. Voilà, on voit quelques. Il y a vraiment des persos que je trouve stylés. Enfin, ce ninja en l'occurrence, hein. Enfin, je sais pas si vous l'avez bien vu, mais un ninja bien stylé, une sorte de Superman aussi, la super-héros façon Jap. Alors, on voit d'autres persos.
Il a son lot de persos un peu plus. Je crois qu'il y a un peu plus de personnages que dans Double Dragon. En l'occurrence, à lui. Lui, pour le coup, je le trouve vraiment stylé. Pressé de jouer avec lui. De l'avoir en main. Ce sera, je pense, mon main dans le jeu. Bah, c'est pas un jeu que j'ai connu à l'époque, hein, pour info. Je vous précise quand même, au cas où. Celui-là, je ne l'ai pas connu. Je l'ai pris pour la collection et pour y jouer également, parce que je me suis renseigné pas mal de fois sur le jeu. Et c'est un jeu qui m'attire. Au niveau passion, possession, collection, j'ai voulu l'avoir. Plus Technos, j'ai adoré Double Dragon, donc c'était dans la continuité de ma collection quoi d'avoir ce titre. Et donc je ne l'ai pas connu à l'époque, une belle petite image en arrière-page. Pour le livret, mes amis, il n'y avait pas grand chose, hein, comme d'hab. Hein, c'est le livret, la cartouche, voilà, tout en très bon état pour le coup, rien à dire. Après, je regarderai un peu plus ça en détail. Bah, je vous en ferai une vidéo, je pense. Après, à quel niveau je verrai un let's play, gameplay, on verra tout ça. Je pense que je vous le testerai même si j'ai assez de temps pour développer le jeu, pour y passer quelques heures dessus dans les prochains jours. Après, j'ai des petites priorités dans les jeux là, que je sélectionne. En l'occurrence, donc bah, vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos qui arrivent. Je vous en parlerai plus en détail. Et oui, c'est un jeu que je vais découvrir pour le coup parce que je l'ai pas connu celui-ci en 96. C'est 96, hein, Gokaiser. 95. 95. En même temps que Double Dragon. Je vais me renseigner. Mais il a des sprites énormes, il est super bien fait en plus, enfin, je le trouve vraiment bien réalisé. C'est un des jeux qui m'impressionne techniquement par rapport à son année de sortie et au niveau de sa représentation graphique, les sprites, les zooms et tout, enfin, comme le Double Dragon hein, quelque part. Mais c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup. Donc, je vous montrerai tout ça plus en détail les amis, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Voilà, un nouveau jeu, hein. Encore un dans la collecte qui commence à s'agrandir de plus en plus. Comment ça ressemble à quelque chose. Et je vous dis à la prochaine les amis. Continuez à doser, continuez à jouer. SNK dans le cœur, SNK Forever. Et n'oubliez pas que quand on part de zéro... Quand on part de zéro, on ne peut que s'améliorer, les amis. Allez, à bientôt. Ciao.